Can I help you? Well, looks like you boys had some trouble. Yeah, we had some trouble. Bad trouble. What you want? Oh, I was supposed to meet some business partners here. They arranged a meeting, I believe. A fellow with a scar and a Mexican? Yes, sir. How about the stables, I think? Thank you. And, sorry for your troubles, friend. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister V-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption 2. Incroyable mais vrai, nous en sommes à l'épisode 18. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre en 2K. Mais ouais, je propose que de la bonne qualité, désolé. Si vous préférez voir plus de gameplay, des épisodes moins espacés mais moins de qualité, c'est votre problème évidemment. Quoi qu'il arrive, n'oubliez jamais que je vous aime. Bref, nous sommes partis pour la suite. Non, je suis pas beau, les gars. En tout cas, pas encore. Bah, les gars, c'est pas encore nouvel or. Nous sommes partis pour la suite de notre incroyable aventure sur Red Dead Redemption. Par contre, il est 2h du mat, donc je commence à croire que. Tu vois. Ah, mais c'est peut-être là. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. C'est parti pour la mission des Grey. And have you met my partner, Arthur Morgan? No. I met your son, the sheriff. Okay. Mr. Grey here was saying how he had problems with a family. A family of degenerates. Oh, well, nobody likes degenerates. The hag and her inbred sons. They ruined this county. They killed my uncle, you know. That ain't right. Problem is, we can't be seen to get too close. And? We've got gold, Yankee. We've got gold. I ain't no Yankee, friend. I ain't nothing. My daddy came over on the boat from Scotland. I'm Scottish. And the Braithwaites? Goddamn peasants! I don't know. Mongrels! Slave fuckers! All you gotta do is look at them. How much gold? Enough. These are prized horses I'm talking about. Them, they'll get you 5,000. 5,000? For horses? Easy. And where do we sell them, these $5,000 horses? Over in Clemens Cove. Fellow over there will run them out of state and give you 50 cents on the dollar. Mister, you got yourself a deal. Just keep us away from this. Publicly, I mean. My sense is we keep all horse wrestling away from the public. Nous avons donc une nouvelle mission qui peut nous rendre très très riches et qui va lutter finalement cette fois-ci contre les Braithwaite. Donc cette fois-ci on est du côté des Grey, on essaye de la jouer double jeu encore une fois. Le but étant d'amasser un maximum d'argent des deux camps qui se détestent, qui ne peuvent pas se voir et qui se souhaitent finalement la mort. Donc là c'est parti, trafic de cheval apparemment, on va voir un petit peu ce que ça donne. Personne ne parle, je suis avec notre ami John évidemment, John qui fait partie de la bande. Donc on va voir un petit peu où ça va nous mener, mais il va y avoir, à mon avis, beaucoup d'action. If he only knew, we just torched his tobacco crop. That was you? The old man was cursing the Braithwaites about that. Burning rich folks' property? Sean was like a pig in shit. I'm sure. 5,000 for horses. They must be rich. Yeah. He doesn't know what he's talking about. But if we get even a third of that, it'll be worth it. So how are we gonna play this? The place is well guarded, so there ain't no point in blasting in there. We'll make them think we're there looking to purchase. Three armed men? You'd be armed if you were about to spend 5,000 on horses. We should go in the back way, though. Avoid too many questions. Careful. There's a guard. I'll speak to him, okay? Okay. On est arrivé. Alright, Dan. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. Well, I... Okay, then.
Head on up to the stables. Someone will come see you. Rappelons que nous avons brûlé les champs de tabac des Grey. Donc cette fois-ci, alors regardez bien, parce que j'ai vu qu'il manquait mine de rien de la santé avec toutes ces bêtises. Un assortiment de tripes salées. On va prendre ça déjà pour commencer. Histoire de se remettre bien. Et là j'aimerais bien me remettre aussi en endurance parce que ça commence à devenir très compliqué tout ce qui se passe par ici. Qu'est-ce qu'on a? Endurance s'il vous plaît, ça me paraît pas mal. Du maïs doux les gars. Je prends totalement, ça me remet quasi full en endurance. Et on commençait très très bien. Allez, peut-être un petit peu pour le sang froid. Ça me paraîtrait pas mal. Alors j'ai lu hein, tous vos conseils en commentaire. Alors, vous vous doutez bien que, évidemment, je lis. Ça ne veut pas dire que je vais réussir à appliquer à chaque fois tous vos conseils. Mais je vais essayer, comme par exemple, utiliser le sang froid, tirer sur un gars, retirer le sang froid, le réutiliser, retirer sur un autre gars, au lieu de faire comme je fais, c'est-à-dire faire un alignement de 3-4 gars en même temps, histoire de garder et d'économiser un tout petit peu de sang froid. Donc voilà, je lis vraiment tous vos commentaires, les gars, c'est très intéressant, mais on est avant tout là pour le plaisir, évidemment, j'espère que vous en prenez du plaisir. N'oubliez pas, en janvier, les gars, ça reste entre vous et moi, mais il y a deux très gros let's play qui vont arriver avec quasi une vidéo, voire une vidéo par jour. Je compte sur vous pour être là, ça va être juste fou et incroyable, impossible que vous regrettiez. Le retour des aventures horrifiques, c'est très bientôt les gars. Allez, et pour l'autre espèce, c'est un secret, ça reste entre vous et moi. Ok. On va attacher le cheval, aucun souci. Tornade ! Attends, on va remonter dessus parce que normalement... Ok, il s'est attaché automatiquement. C'est un bon cheval, c'est un très bon cheval. Parce que je dis normalement ça s'affiche, mais ça s'affichait pas, c'était très bizarre. Frérot ? Je vais devoir te péter des chevaux. Des chevaux. Attention. Pour voir si vous souvenez. So. Heard you got some horses. We always got horses. Fine horses, I mean. I don't get you, friend. Yeah, you do. Come on. Listen, why don't you get out of here? You, Scarface, and your greaser buddy. Whoa. I don't like officials. We ain't officials. We're connoisseurs. Looking to do some breedings. Come on now, partner. Okay, fine. Follow me. These here's mainly the studs available for purchase or for working. That's what you're interested in. What is you boys interested in? We represent a famous stable and stud farm from Saratoga. Is that so? Unofficially. Of course. This here's Cerberus. Okay. Here you go, boy. Cerberus is a real reliable stud. Hop, ça dégage. Hein. J'ai pas le temps pour tes conneries. Je suis désolé, mon frérot. Okay. Ultra violent, hein. On n'a pas cherché à discuter, les frérots. Oh, il a sali ma veste, le con. Ok. Un cheval chacun, les gars. Ok, on va prendre le blanc calmement. Alors, attendez, on va l'apaiser. Ouais, j'ai un peu de sang de ton maître, calme-toi, c'est rien. Ok. D'accord, on va essayer de le guider. Non, je veux le caresser avant. On va essayer de le caresser, doucement. Voilà, toi t'es un bon mon pote. Toi je te sens bien mon frère. Toi j'ai envie de te choper. Toi j'ai envie qu'on fasse de sacrées soirées. Je trahirai pour rien au monde mon cheval, mais quand même. Suivez John avec le cheval. Ok. Ça va partir en couille, tout le monde le sait. Hein. Y a pas de... Les gars, jusqu'ici pas de surprise. What are you doing? Let's go, quick. Je suis quand même le mec qui est habillé pareil, partout. Ok, 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 tranquille les potes. Allez, on y va. Non. Attends, mon pote. Quelqu'un veut détrôner peut-être. Hop, ça a failli partir très très vite. Attention à vos têtes, hein. Aïe. Désolé. Ok. Ah. Ok. Aïe. Aïe. Mon cheval il va cams. Allez. Non, il est parti. Reviens. Reviens, Tornade. Je comprends, tout le monde panique dans cette histoire. T'as pris cher, j'ai pris cher, tout le monde a pris cher. Ok, on file. On file totalement. Oh. Ah. Oh putain de merde.
Oh, c'est cet arbre. Ah, mais cet arbre, il avait rien à foutre là. C'était un chêne, bien évidemment. Un chêne de 1672, il a déjà quelques années. Et je me suis dit, par respect pour lui, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était soit le chêne, soit moi. C'est pas grave, les gars. J'ai perdu quelques balles ou pas? Putain, et c'est pas bon hein, de tourner la caméra. Le problème, c'est que ça serait une souris. J'aurais pas de soucis, mais là, en gros, c'est tellement lent. Attends, non, on va arrêter de faire les coups. Regarde, regarde. Ok. Ok, là, c'est quasi du one-shot. Je sais pas pourquoi ça one-shot. Ok. Ok. Je suis plus droit. C'est... Aïe. Ok. Ok. J'essaye de pas me bouffer de putain de... Ça, c'est beau, ça, mon pote. Bien joué, Johnny. Allez, ça dégage. Quoi? Mon dieu, mais prévenez! Oh putain de merde! Oh, il va trop vite! Hop, ça dégage. C'est que du one shot. Ah, bon, pas lui. Lui, je sais pas, il a résisté. C'est compliqué parce que je sais pas. Non, voilà, mon. Je dois guider le cheval et quand la caméra est inversée, forcément, les commandes sont totalement inversées. Oh, c'était terrible. J'espère qu'il en reste plus tout de même. Compliqué, compliqué cette histoire. Ah, ça me fait mal, on a fait mal au Grey, les gars. Non, on a fait mal. Oh non, c'est bon, j'ai rien dit. On a fait mal au camp adverse. Aïe. Ok. Ok. Compliqué, je commence à prendre ma part de toutes parts. Oh, c'était chaud. C'était pas évident. J'en ai mal au tendon de la main. Je rigole pas, les gars. À cause de la caméra, pouvoir la gérer et tout. Plus le stress qui s'accumule. Des sueurs froides. Oh, je commence à avoir la faim là déjà, tu vois. Calme-toi, mais qu'est-ce que t'as? Ok. Continuez, je le rattrape. Ouais, def, hein, frère. Attrapé au lasso. Tu me connais bien, Johnson. Ok. Non. On y va. On y va. Oh là là, il est beaucoup trop chaud. Ok, on va l'étudier. J'adore étudier. Ok. Pur sang arabe, c'est ça que vous m'avez dit? Putain, la vie de ma mère. Oh mon cheval! Tout le monde il est parti! Pourquoi t'es parti là-bas, frérot? Attends, je suis totalement débile ou quoi? Easy. Attends, gros, je suis. Gotcha. Come on now. Ok. Allez, on y va, s'il te plaît. Allez, hein, t'arrêtes les conneries. Ah, c'est bon, il me suit, j'ai très très peur. C'est bon, aucun problème. Je l'ai au lasso. Allez, hein, t'es un pur sang arabe, on m'a dit que c'était de la bombe, ça. On m'a clairement dit que c'était de la bombe. You got it. Well done. Clemens Cove's just over there, come on. Let's get this over with. Ok, maintenant il va nous suivre. Tout va bien. Ok, il va automatiquement se rattacher. Ah non, c'est bon, il me suit. That'll be on my gravestone. Et ben voilà, les gars. On a dit très très sale, bon, par contre, ils vont être vendus. Ok. Je sens... Attendez, les gars. Voilà. Et on va ranger les armes. Je sens que ça va partir en couille. C'était parti en couille pendant les champs de tabac. Ça va partir en couille ici. Aucune raison. Quoique. À voir. What you boys want? Heard you was, heard you pay good prices for horses. Oh, we'll buy more or less anything, Pop. That's so? Sure, Pop. I'm Clay Davies. That's my brother Clive. We're twins. John, Arthur, Javier. So what are you? Cuban?
No, I don't like Cubans. That so? Maybe. Why, what do you care? You ain't Cuban. Maybe I like Cubans. Ooh, you're funny. He's funny. Ain't he funny, Clive? Clive don't talk. We're twins, but I was born first. He came out all yellow and black, but he's okay. Sure. Yeah, I know these horses. They ain't yours. But I like you, and I'll give you... I can give you 650 for them. I was told we could get up to $5,000 for them. And I was told the moon was made of ladies' tears. Only it ain't true. Not one little bit. But... I like you boys, but I ain't got more than 700 on me. You want it, or you want to ride them fellers into town, and maybe someone there will hang you. We're gonna need more than that. I ain't got no more money, Pop. Here, take it or leave it. All right. You goddamn fool, Marston. Ain't no one around here got $5,000, boys, but nice meeting you. See you boys again, I hope. Come on. Yeah. Close the gate, Clive. Aïe, 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 on s'est fait carotte, les gars, c'est terrible. Leave the yarn spun us by one of that Gray family. And imagined we was gonna be wonderfully rich. At the end of it, we felt like prize idiots. Les deux familles nous ont totalement déçus. Mission complete. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas rejouer la mission. Je voulais... Les gars, s'il vous plaît. Et bon, je voulais juste voir la carte. C'est terrible. Donc, il nous reste plus que deux missions. On a terminé, pour le moment, la mission des familles. Donc, il nous reste Mika Bell, qui va nous dire quoi le Mika, on ne sait pas encore. Et Joshua, évidemment. Donc, je pense qu'on va partir sur Mika Bell. Allez, on est parti, on y va, tranquillement. Est-ce que par hasard, je peux pas enfin goûter ce ragoût qui commence, hein, bien évidemment, à me chatouiller les papilles. J'ai combien en thunes ? 3500. Oh non ! Non, il reprend ! Non ! Oh, il a repris pour préparer, ça va mettre encore 8 ans, putain. Ça va mettre 8 ans, va falloir que je nourrisse aussi mon cheval, que je le soigne et tout, parce que je crois qu'il est pas bien, il a deux doigts de canner, le bordel. Allez, Mika, relax, on adore, j'espère que vous avez la ref. Ok. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes... I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch, you tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town, and things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner tiger. Anyway, somehow it didn't, but we got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll. Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch, do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap, but what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap, you shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take. I killed Combe's brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go.
You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Oh, ça sent pas bon, les gars. Oh, ça sent pas bon. Jean-Léo Driscoll et nous. Aïe, 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 aïe. J'ai même pas envie de savoir comment ça va finir. Tornade ! Déjà, on va le brosser. Déjà, je vais le brosser, mon petit Tornade, parce que t'as pris super cher, mon frérot. Je suis vraiment désolé. L'arbre, il l'a mis vraiment dans le mal. Ensuite, je vais le nourrir. Et bah, je vais le caresser. Parce que c'est ça l'amour entre un homme et son cheval, les amis. Donc c'est parti. Hop, voilà, je le nourris. Régale-toi et je te caresse. Et puis on aura fait la totale, mon Tornade. T'es chaud pour une mission qui peut sûrement nous mettre dans de sales états. C'est parti. Fine. Mount up then, Morgan. Let's go then. Allez, on va quitter tranquillement le camp. On va discuter. J'aime bien partir en balade avec Dutch. La dernière fois, c'était un petit truc de pêche pour montrer qu'on se rapprochait. Mais cette fois-ci, ça sent le trape encore une fois. Donc, à voir ce que ça a donné. Mais. I've been fighting Combe for so long now. I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes, Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us? Because of Blackwater. And Leviticus Cornwall and his private army. Then who knows when this local hillbilly thing will come to a head, hmm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. With you to cover us, hmm? Okay, just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. I will do my best. Oh, my dear and trusted friend, with you watching over me, I would walk into hell itself. As would I. J'aime pas ce petit, cette petite musique, tu vois ce que je veux dire? Cette petite musique, il me fait entièrement confiance aux snipers, évidemment. Il parlait de snipers. Fusil à verrou, plutôt. Je suis pas sûr que le nom snipers existait avant. O'Driscoll's from the look of them. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Ok, donc ils savent déjà qu'on est arrivé. J'ai pas payé la prime. J'ai peur. I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed, and I. Ah, le Mika, il m'inspire pas confiance. J'aime pas ça non. Caring too much. That's my problem. J'aime pas ça du tout. Caring too much. There's no such. Attendez, hop, on va s'équiper du snipers. Le nouveau, il est où? Il est là. Attendez, il y en a un plus neuf que l'autre. J'ai la version rare. Oh, la version rare est bien mieux. This is more shit. Oh, la version rare est bien mieux. It might be. Micah might be full of shit. Ok, c'est bon. Combe O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation. Men created equal. Liberty and justice for all. That might be nonsense too, but it's worth trying for. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Oh, j'ai l'impression de foncer à ma propre mort, c'est terrible. All right, cowpoke. You're gonna peel off up ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards.
We'll be there, partner. Ok. C'est parti, direction le point d'observation. Oh, petit saut, hein. Carpe qu'on adore, évidemment. C'est là-haut. Je sais pas, je sens que soit Mika va nous trahir, soit Mika va mourir. Après, hors la loi, pour toujours, ça devrait le faire. En tout cas, j'y crois. Mais il va se passer quelque chose. Il va se passer. Tout est beaucoup trop beau jusqu'ici. Tout est beaucoup trop beau. Attends, tu veux quel point en hauteur exactement? Ok, d'accord. Attends. Bouge pas, gros. Voilà. On sait jamais, un petit peu de viande à côté de soi, tu vois ce que je veux dire. Maintenez L2 pour utiliser les jumelles. Ok. Nous avons Dutch. Nous avons Mika. Mika, évidemment. Hein, parce qu'on est américain, on adore l'Amérique. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. How's that coming along? Just fine. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Hello, sugar. Oh, no. You ain't dead, is you? Not dead, anyway. I don't know. Colin's got a sense. Handing him over to the Échappé law. Au Driscoll. Strange times. They killed Seamus. Okay. The whole lot of them. With this fella, Colin's right. We can draw them all back. True. He's escaping. Oh, no. Shoot him. Relax. Relax. I got him. Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Non. Les gars. C'est bon, je suis vivant. Pas Arthur Morgan, les gars. Ah, je dois être dans un sale état. Je suis en train de crever. Putain, j'aime pas ça. Ah, je déteste. Oh, je vais m'énerver, là. Finally. Put his weapons over there. Running around with old Dutch.
could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cone. No, no. It's Dutch's famous cars. You killed a whole bunch of my boys. Six-point cabin. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Cone, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hang you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Alors comment ça va se passer? On va diriger un autre membre de la bande ou quoi là? Ça serait ouf! Ça serait incroyable! Vous pouvez vous balancer avec vos chaînes pour atteindre la lime et vous en servir pour vous libérer. Ouais, ok. On y va, tranquillement. Hop, voilà, balance, balance, balance-toi. Ok. C'est bon, je vais pouvoir m'échapper. Ok, on va faire chauffer la lame. Je me répare, les potes, hein. Ah, sacré mal. Ah. Ok. Voilà, hein. On régale. Voilà, on rince. Moi, je te foutrais la bougie là. Ah bah non, il y a de la cire. J'en ai rien à foutre. Ah, voilà. Ça, ça me plaît, ça. La poudre. Hop, hop, on tombe un petit peu derrière, hein. Saltman. Ok, vas-y, régale. Hein. Allez, juste... Ah, cautériser la plaie. Ah, oui, d'accord. Oui, bah voilà, j'aurais fait ça depuis le début. Ok. Par contre, le filtre est peut-être un peu trop violent. Là, j'ai l'impression d'avoir tué Obi-Wan Kenobi, no joke. Ok, j'ai des couteaux de lancer. Niveau vie, je suis pas bien. Ok. Oh putain, mon cheval il a le goût, sa mère. Attends, je vais le fouiller. Ok, prendre revolver. Ok. Regardez ce qui va se passer. Hein. Même dans les plus grands films de boules. Vous n'aurez jamais vu ça. Ok. God damn it, how hard is it to hold a gun? Ok. If you have any gold, take
Mon cheval. Wesh. Mais non. C'est quoi ce mec? Allez, on se casse. Je suis vraiment pas bien. Ok. Attends, pourquoi je vais à gauche si c'est pour aller à droite? Y'en a comme un pas. Oh non, je suis mort. Ah! Hop, ça dégage. Putain, mais ils sont partout. Je suis mort. C'est qu'une question de millisecondes. C'est mon cheval? C'est pas mon cheval! J'ai pas pris le bon cheval! Mais quelle erreur du cheval! Oh merde, mon pur-sang est resté là-haut! Fuck! Ok. Très chaud, c'est sport. Très très chaud. Mon cheval a pris sa part. J'ai pris ma part. Tout le monde a pris sa part. Ah putain, bah ouais. Je suis tombé dans les pommes. Normalement, le cheval va directement aller au camp, je pense. Oh la gueule que j'ai. Ça y est, la guerre contre les O'Driscoll reprend de plein fouet. Et on va leur mettre leur part, clairement. My dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help! Reverend Swanson! He's gonna set the law on us! Oh, of course he was! I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan, you're safe now. Oh, let's get him to bed. You are safe now, Arthur. I got you. You're safe now. That's pretty, it does. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Plus tard. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Well, not quite yet, River. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Et ouais, mon pote, la bande a remplacé vos armes volées. Elles sont sur votre selle. Donc, la bande, incroyable, ils m'ont tout récupéré. J'ai bien cru que ça allait partir beaucoup plus loin. J'ai eu un petit moment de doute, hein, on va pas se mentir, j'ai un petit peu flippé. Il nous reste donc la mission de Joshua qui dit Trelawney souhaite vous parler. Très bien, des amis internautes. Et je crois que c'est la seule mission. C'est totalement la seule mission. Faut que je paye ça. Oh, c'était terrible cette mission. Hein. Incroyable. Hein. Incroyable. Votre barbe ne poussera pas plus. Quoi? Je suis au maximum de ma barbe. Bah, je vais la garder comme ça. Elle est très très bien. Ça me va. Je voulais pas non plus la barbe du Père Noël. Et mon argent, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, attends, j'ai quand même 3000 balles sur moi. Genre, ils m'ont tout rendu, les mecs. Super sympa en tout cas. Hein. GG les gars, vous avez été vraiment cool. Donc c'est parti. On va faire la seule mission qui nous est proposée. On va voir un petit peu où ça va nous emmener. Désolé de pas avoir pris mon cheval, les gars, pur sang, mais je vous avoue que sur le coup, j'ai failli prendre ma part et mourir. Allez, c'est parti, c'est le dernier.
Dis-moi tout. Are you busy, Arthur? Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. Well, I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed men attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we okay. find this friend of yours? Rhodes. Montez sur votre cheval, because aucun souci. What can possibly go wrong there? Oh, quel plaisir de te retrouver, Torma. Well, je suis désolé de t'avoir trahi. Lead the way and we'll find out. Oh, c'était ouf, hein. L'épisode, il s'est passé quand même quelque chose de ouf. Bah c'est parti, on y va les gars. Apparemment, je dois y aller solo comme un solo. Est-ce qu'il est loin? Juste simple question. Il est en ville. Ok. On va en ville. En plus, il est à côté du bureau de poste. Ça tombe très très bien. J'avais quelque chose à retirer. Donc je vais les laisser parler. I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things. Hop, il a disparu. Hein. Et ouais, il est beaucoup trop loin, mon pote. Attends, on va l'attendre, miskin. Allez, viens, mon frérot. What was I talking about? Among other things. I had quite a nice little business going for a while. Shares in a gold mining company. Excellent returns for the investor of a certain financial standing. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I'd done my part. Each to their strengths, dear. Alors, attendez, mon cheval... J'ai pas d'armes. Ah bah non, mais putain, on est à Rhodes. Here we are. We can hitch up outside. I'll make the introductions, Arthur. Ok. Alors, bougez pas. Je vais retirer cette putain de prime de 120$. Elle me stresse à chaque fois que je vais sur l'ancien continent. Enfin, en tout cas... Ouais, d'accord. Doucement, hein, les gars, qu'on est dans un bureau de poste. Ah bah oui. On est en mission. Je suis pas sûr qu'on puisse en mission. Attends, on va essayer... Fais pas mission annulée, s'il te plaît. J'essaye un truc. Je crois pas. Hein. Non, ok, d'accord. Ça sert à rien. Ça sert à rien, il y a un mur invisible. Dommage. Dommage, ça sera pas pour cette fois. Ah, putain, c'était l'occasion idéale. Yo. Putain, mais t'es sérieux, quoi? Oh non, mais t'es... J'en ai marre. Hein. Je suis usé. Usé de vous. Hello, Alden. Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Ouais, non, pas sûr. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us, a fellow man of distinction. Okay, well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Thank you very much. Oh, and Josiah... If you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there. Feller called Hector. He's also one of the... What did you call us again?
Discouraged men, Alden. That's it. Discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden. Or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. Oh, le bâtard. C'était français, hein, évidemment. Adieu. Adieu. Ok, les gars, j'y vais. Attends, frérot. I thought I recognized frérot, frérot, you. On va Hello payer again. La prime. Pendant qu'on peut. Good Lord. It can't be worth it. Nickel, les gars, tout payé, ça dégage. Rien à foutre, j'ai de l'argent. Quelqu'un veut se battre en fait, peut-être ici. Ok, c'est bon, tout est payé, les potes. On se casse, os. Boum. Direction le cheval. Et on est reparti. On a eu l'info. Ok, I think I know a good spot to wait. Follow me. Ok, let's go. This way. Ok. On va le suivre calmement. What did I tell you? Simple as can be. Seems a lot of the station workers are in on it these days. Earning a pittance, the unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. If anything goes wrong, let's meet back here at this crossroad, okay? All right. Ok, on va s'équiper de nos armes. Nous avons celle-ci qui est plutôt pas trop mal. Attendez, celle-ci, non, celle-ci, mais elle est dans un sale état. Et on a... j'aimerais bien prendre le fusil à pompe. On l'a pas beaucoup utilisé, il est comme neuf. Ça serait pas mal. Ok, on y va. Attends, j'aimerais bien aussi, bougez pas. Voilà, genre juste la nettoyer calmement. Histoire qu'elle récupère ses dégâts et tout ce qui suit avec. Voilà mon pote. Ok. On est bon. C'est bon, j'arrive mon pote. J'arrive. C'est où d'ailleurs? Et hop, on peut pas savoir. Ah, on va visiter un endroit jamais vu encore. Très bien. Ok. This should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strong box, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strong box, and relieve them of their goodies. And how do I open the strong box without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden, very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Attendez la diligence, j'ai un passe-partout, très bien. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. On va donc y aller calmement. Comment je suis censé? Il faut qu'ils soient à l'arrêt, les mecs. Attends. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille là? I'll ride ahead and get the coach to stop. You hang back. Don't let them spot you or you'll scupper the whole thing. No, 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 no. I hope you don't mind my singing. Not at all. I'm preparing for a show. It's a free country. Did you say a show? It's a small benefit to build an opera house in Blackwater. Just
Mrs. Chester Damson. I flatter, bloody. Stop the coach, my good man! Stop the coach! Whoa! Miss Damson, why? Did you okay. Stop singing? The New York audience, they were rather cruel. New Yorkers are pretty cruel. Westerners don't have anything. Couldn't agree more. Could you? It's such a small show, but would you sing something for me? I'm looking for a mezzo-soprano. Well, I don't know. Miss Damson, you owe it to West Elizabeth. Okay. Okay. Tu as presté pied. Non lasciar per dir. Adagio. Madam, we should move. The roads are not safe. My good man, they're perfectly safe. Madam, I've heard enough. Might I have your card? The event is on the 23rd of this month. I can't say enough. But Mrs. Damson, magnifico. So sorry, gentlemen, for the interruption. Farewell. Nicely done, Arthur. A little finesse for once. Well done, sir! Well done! It was easy. You did all the work. Teamwork, my dear boy, teamwork. Here you go. Thank you. Oh, it's only good. Go see Alden from time to time. See you soon, Arthur! Mission complete! Bulletin total! Je me suis régalé! $200 et ma part. Et il reste plus qu'une putain de fucking mission. Cette mission était très 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 sympa. Pendant que notre ami... si je lui tire dedans, vous croyez qu'il se passe quoi? Time paradox ou pas? Vous pouvez pas utiliser d'armes. Ah bah oui, ils sont malins. Ils sont malins, ils sont malins. Il reste donc une mission qui est Bill. Bill, Micah et Sean retrouvent les Grey au saloon pour discuter d'une mission. Un village pittoresque. On va s'arrêter là, suite dans pas longtemps, ça y est, là on reprend un rythme de vidéo plutôt sympa. Je pense qu'on se verra, d'ailleurs, je crois que la prochaine vidéo, ça sera, ça sera tout simplement pour la nouvelle année, c'est-à-dire lundi, à mon humble avis, ou dimanche. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien, j'irai plus dimanche ou lundi, on verra. Bref, à bientôt tout le monde, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire, ciao.